Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le covering d'un aileron, d'un Renault Captur. Donc là j'ai déjà fait la moitié, je vais vous montrer l'autre partie et vous montrer l'effet de la tension du film sur le retour, parce que là cette partie est faite, mais j'ai quasiment rien fait. Vous allez voir, ça se fait tout seul, justement du fait de la tension. Je vais arrêter la tension pour passer le film sur cette petite arête. Là, il y a une petite bosse ici. Donc ça ne sert à rien de créer une tension sur une cannelure qui ensuite peut justement se redécoller. Donc là, on la passe, on dit en développé. C'est-à-dire que le film est juste posé et il se développe dessus. Voilà, il n'y a pas de tension. On dit qu'on est à zéro de tension. Par contre, ici, là, je vais devoir contraindre plus pour passer cette forme-là.
Et maintenant, je vais chauffer cette partie-ci à 90 degrés afin de fixer ce que l'on appelle la mémoire de forme. C'est-à-dire que le film a une mémoire et qu'il a envie de se rétracter et de revenir à sa forme initiale. Pour éviter cela, on chauffe le support à 90 degrés. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao, ciao.